Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur la chaîne de MonkeyEDC. Petite vidéo aujourd'hui, dans la continuité de la vidéo concernant les slip joints américains, on va retrouver donc deux modèles, donc un slip joint et notre couteau qui a une particularité avec un blocage à l'arrière de la lame, mais que je trouvais très intéressant. Ils sont arrivés tous les deux en même temps et donc je voulais vous les présenter. Alors, on va parler ici de la marque Wrong Rider, que vous avez déjà entendu parler, puisque j'en ai parlé sur la dernière vidéo. Ici, on est sur le modèle Wrong Rider classique carbone 2. C'est le Scoot Knife. La référence est RR2215, au prix de 26,95 € hors frais de port chez Nice & Tool, entre autres, c'est là où je l'ai trouvé. Alors, particularité de ce petit couteau, pour ceux qui sont à moteur, bien sûr, des Victorinox, dont je fais partie, on est là sur un couteau donc destiné, enfin, qui est une copie des couteaux qu'avaient les petits scouts aux États-Unis. Donc, on va retrouver quelque chose d'un petit peu similaire à un couteau suisse, hein, puisqu'on va retrouver quelques outils. Donc, dans cette configuration-là, on va se retrouver avec donc une ouvre-boîte, qui donc n'est pas du tout par contre aiguisé l'ouvre-boîte, c'est assez surprenant. La pointe elle par contre est assez acérée, mais l'ouvre-boîte n'est pas du tout aiguisée. On va retrouver de même ici à l'arrière, hop, un tournevis plat de grande dimension avec un ouvre-bouteille. On a ici une bélière qui est une bélière en laiton, qui est tout à fait de très bel effet. Le manche, lui, je vous en ai pas parlé, on est sur du micarta. Voilà. On va retrouver donc toujours dans les outils un poinçon, qui lui par contre est aiguisé, et même bien aiguisé. Parfait pour ouvrir les cartons, déballer les paquets, et puis pour toutes les utilisations qu'on peut faire avec un poinçon. Essayer de l'ouvrir sans se faire mal. Et on a ici une grande lame. Voilà la configuration de ce produit que moi je trouve plutôt assez sympathique. Bon, l'épaisseur était quand même assez conséquente, hein. On est largement plus épais qu'un Victorinox classique ou qu'un Victorinox Alox, hein, n'en parlons pas, c'est encore même plus épais. Par contre, ici, donc, il n'y a pas de partie à l'arrière, voilà, il n'y a pas de... enfin, tout est en ressort ici, hein, il n'y a pas d'outils à la partie à l'arrière, c'est que les parties, les outils à la partie à l'avant. Il ressemblerait un peu dans sa configuration à l'Alox. L'Alox, je crois que c'est le Pioneer qui est dans cette configuration-là, avec une nouvelle boîte, une nouvelle bouteille, un poinçon en Q, hein, pas un poinçon perpendiculaire, mais bien un poinçon en Q. Bon, la petite bélière, là, on est sur... chez Victorinox, ils ont un petit crochet. Voilà, et puis la lame, qui est une lame très très sympa, qui arrive avec un aiguisage assez bien fait, je trouve. Hein, j'ai absolument pas eu besoin de reprendre le tranchant de ce couteau, qui est assez intéressant. Alors, je vous ai pris quelques dimensions, si ça peut vous intéresser. Donc, je prends mes petites notes. Donc, on est sur une lame ici, donc de 6,5 7 cm. On est sur un poids de 120 grammes. Hein. Il est quand même assez costaud, mais bon, il transpire la fiabilité et la solidité. On sent que c'est vraiment pas le genre de couteau qui va se plier à la moindre force. Hein. On est sur une lame T10. Alors ça, je connais pas trop. Peut-être que les amateurs d'acier, des choses comme ça, doivent connaître l'acier T10. Je sais pas à quoi ça peut correspondre. Bien sûr, la production est faite en Chine, hein, pour ce genre de couteau, il n'y a pas de souci. On est donc sur une hauteur de lame de 1,6 cm, une épaisseur de lame de 2,4 mm au plus épais. La longueur totale fermée est de 9,1 cm. Et des petits ados qui passent en moto. Et puis la longueur totale ouverte, on est sur 15,1 cm. Le type de lame est une Spirit Point et dessus il y a 5 outils, d'après le descriptif. Voilà pour les petites notes que je vous ai prises sur ce couteau.
Alors, moi, je le trouve très, très classe. Hein. Ces côtes-là, comme ça, en micarta, avec le petit logo incrusté, avec le rappel de la marque Wrong Rider. On retrouve ici les initiales, bien sûr, de la marque Wrong Rider aussi, qui sont floqués, enfin, gravés sur tous leurs couteaux, hein, en fait quelque chose de vraiment très gentleman. Voilà, c'est tout à fait le couteau gentleman folder, voilà, vraiment le couteau parfait pour mettre en poche, comme l'est le Victorinox. Hein, alors, c'est vrai que je me répète peut-être au niveau de la comparaison, mais c'est exactement le ressenti que j'ai eu là-dessus, mais plutôt sur une finition à l'ox, voyez, avec ce côté voilà, très classe que peut avoir la l'ox. Là, on est très classe sur le micarta, voilà, avec micarta vraiment très fin, très doux au toucher. Alors moi j'aime beaucoup le sens de la finition qu'ils ont hein, chez Wrong Rider, malgré que c'est des couteaux chinois, vous voyez, ça ne bouge pas. Vous voyez, on voit ce petit insert bleu là, qui est de très très beau à regarder, très joli, en dessous des plaques micarta, vous voyez, avec bien sûr les petites plaquettes en laiton. On voit ce beau ressort là, bien lisse, regardez, ça ne dépasse pas, c'est pas, il n'y a pas de coulis, rien du tout. Les petits rivets sont en laiton, voilà, je trouve ça d'un superbe bel effet. Regardez-moi ça, wow, ça vraiment sympa. La bélière est assez conséquente, vous voyez, je peux y rentrer le doigt, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, avec cette jolie mitre donc à l'avant et à l'arrière, tout en laiton. Vraiment une très 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 belle pièce pour une somme, comme je vous ai dit, à 26,95 €, quoi. Je veux dire, on est largement en dessous du prix d'un Victorinox, hein, mais bon, c'est fabriqué en Chine, on est bien d'accord, hein, c'est pas fabriqué en Suisse, mais moi je trouve quand même la finition très 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 belle sur ce genre de produit là. Moi, quand je l'ai reçu, alors je l'avais vu comme ça sur le site, hein. Donc sur le site, ça ne rend pas des masses, mais là, lorsque vous le recevez en main, je ne sais pas si à travers la vidéo on arrive à sentir, mais vraiment, vous voyez, c'est très doux au toucher, c'est très agréable, c'est vraiment une belle pièce de collection qu'on a envie d'avoir au fond de sa poche, sans aucun souci. Concernant le deuxième couteau, donc là on est sur une marque qui est très connue, hein, que j'apprécie énormément, qui est la marque Case. Voilà. Donc je ne vous referai pas l'histoire de la marque Case, hein, vous avez déjà maintenant compris, donc c'est totalement un couteau dans la tradition américaine. Donc là on est sur le Black Case, le Caliber, avec lockback. Donc, longueur totale de la lame, on est à 6,8 cm. Le poids, on est sur 30 grammes. C'est vraiment quelque chose de super léger. Le manche, lui, est en zitel. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent le zitel. C'est à l'air d'être un plastique bien renforcé. Alors, la lame, ils appellent ça du true sharp. Alors, en fait, c'est du 420 traité maison, hein, avec 56 HRC au niveau de la lame. On est sur une lame inox. Hein. On est sur une hauteur de lame de 1,5 cm, une longueur totale du tranchant de 6,8 cm, une épaisseur de lame de 2,5 mm, longueur totale fermée, il fait 9,6, il est plus grand que l'autre, longueur totale ouvert, on est sur 16,3, il est plus grand que l'autre ouvert. Alors le tranchant est redoutable sur ce couteau, mais vraiment redoutable. Alors la forme de la lame, je ne vous ai pas dit, on est sur du clip point pour la forme de la lame. Donc il n'y a absolument aucun jeu au niveau du couteau, et il tient vraiment très très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'aiguisage s'annonce assez simple dessus, hein, c'est un acier que je connais bien moi, puisque des caisses j'en ai déjà deux, donc celui-là ça fait le troisième, et donc c'est vraiment un acier qui est très facile à aiguiser et à utiliser, qui tient plutôt bien son tranchant, tant que vous l'utilisez pour des choses assez classiques. Hein. Voilà.
Donc c'est du 420 à la sauce Case. Donc ils ont un système de trempage bien particulier qui permet une tenue de la lame et une fiabilité de la lame qui est assez reconnue dans le monde entier d'ailleurs. Hein. Case est assez reconnu pour ça. Donc je vous ai pas parlé, je crois que le prix on est à 23,60€ pour ce couteau, pour 30 grammes. Vraiment super léger, vous le mettez dans la poche, il n'y a pas de clip pointe, il n'y a pas de clip ceinture ni de clip poche, je veux dire, mais il n'y en a pas besoin parce que c'est vraiment un couteau qui est super léger. Alors, voilà ces deux petites découvertes dont j'ai fait l'acquisition et que je voulais vous partager. Si ça intéresse des personnes, je pourrais vous mettre les références exactes, hein, mais bon, avec normalement les descriptifs que je vous ai mis, vous devriez pouvoir les trouver assez facilement. Je vous remercie du visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas comme d'habitude. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes encore assez nombreux à venir voir les vidéos sans vous abonner. Pensez à vous abonner, à mettre la petite cloche pour les notifications pour les vidéos futures. Je sors généralement une vidéo tous les lundis. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook, où je publie à peu près tous les jours mon EDC du jour, qui varie bien sûr, hein, selon l'activité que j'ai, selon mes humeurs, mes goûts. Donc je mets bien sûr un panel de tous mes EDC au quotidien sur Instagram. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. À bientôt.